Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin une vidéo carnassier, on n'avait pas pêché le carnassier, on avait fait deux petites tentatives mais c'était vraiment pas concluant. Aujourd'hui on va se faire une après-midi et coup du soir. On va essayer de chercher la perche, le cendre, peut-être le brochet, on va voir, on va essayer de trouver un pattern. Et je vais essayer tout au long de la journée de vous faire des petits débriefs pour vous expliquer la démarche, expliquer nos conclusions et comment on adapte notre pêche en fonction des situations. Essayer de voir ce qui mord, on va faire du tout venant. Oh, allez, bon. C'est parti. Allez, on commence. Alexis a mis un petit popper pour voir s'il y a des perches. Moi, je commence avec un jerk. Voir s'il n'y a pas des brocs. Au-dessus d'herbiers, là. On a des herbiers tout autour de nous. Alors, on cherche, voir s'ils sont dans les herbiers, s'ils sont plus dans les branches, les poissons. S'ils sont plus sur des pointes, sur des plateaux. On va chercher au début là, on sait pas du tout. On va voir. Non, il se passe pas grand chose. Il n'y a pas grand chose ici, on va pas rester longtemps. Il y a des trucs à 6. Il y a un écho au fond là. Mais bon, on va les avoir les 6. Ouais. Regarde 7 là. Le poisson collé au fond. Alors en naviguant, on a trouvé une boule de poisson. Ça ressemble à des perches à l'écho. Il y avait du monde autour, il y avait des carnassiers autour. Donc on va essayer de lancer le petit leurre, voir si c'est déjà des perches. Voir si c'est des grosses perches qui chassent dedans ou si c'est des cendres. En général, en début de saison, les poissons là, ils sont venus chez nous, ils sont focalisés sur les alevins. Donc on va mettre des tout petits leurres. Alexis se met du coup au metal jig. Moi je me suis mis avec un petit leurre souple. On verra les gars. Tu sais, si t'as un brochet dessus, tu le vois. Et je te vois aussi. Ouais. Oh, le brochet il a tapé dedans. Ah, tu as fait trop tôt, tu vas pas laisser prendre. J'ai fait beaucoup trop tôt. Là, je suis passé à la petite branche comme ça, il est arrivé. Il était gros. Oh, 50. Je l'ai vu attaquer, c'est ça le problème. Quand tu vois attaquer, tu fais trop tôt. Non, tu laisses prendre dans la bouche. Et après, tu fais deux pas en arrière. Oh là. Bon, 50 mètres de bordure et un poisson qui sort au rubber jig des branches. Un peu profond au moment où je passe quasiment à la limite de visibilité dans l'eau. Donc on va chercher des bordures qui creusent un peu avec de suite au niveau des frondaisons des zones où on n'a plus la visibilité. Et je vais essayer de les pêcher au rubber jig, c'est une bonne indication. Donc là on va faire cette bordure qui creuse assez vite, où il y a des arbres un peu hauts. On va vraiment laisser couler le long des arbres. Moi je reste au rubber jig, Alexis lui se met au crank, voir s'il y a des perches qui sortent ou des brochets un petit peu plus suiveurs. Voir si ça peut sortir aussi. Allez, c'est parti pour un nouveau poste. Là on va voir s'il y a des perches. Moi je suis au popper. Alexis va attaquer un jerk, voir s'il y a des brocs ou des belles perches. Yes. Oh, il y a des papiers à l'intérieur là. On va ancrer. Une petite perche. Il y a quelque chose à creuser avec ça. Il y a des petits cranks peut-être. Alexis s'accroche dans un fil, il remonte, elle y plaît. Un petit maracas. Un petit maracas, cool. Alors en plus. Thank you.
Cendre. Ah, un petit cendre, le petit coquin. Il y a 4. Oh, metal jig. Ah, il y a quelque chose à creuser avec ça. Ça filme, yes. Oh, il est reparti. Bon, à relâcher pas comme je voulais, mais petit cendre au metal jig. Voilà, un pêcheur l'a envoyé des échos autour des herbiers là. Paf, c'est les cendres. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un blanc. Et il a tapé le metal jig. C'est. Ouais, ça me paraît bizarre pour un gardon les couleurs. Ouais, mais regarde. Un blanc. Plein de mucus. Qui a tapé au metal jig. Bon. Voilà. Ouais. Joli. Ah, joli. Cool. Belle perche. Par le dos. Tu sors la bourriche? Il y avait plusieurs. Ouais, yes. Belle perche. Cool. Bon, ah bah tiens, c'est quoi ça? On est dans une situation, c'est pas évident là, on n'arrive pas à trouver des touches, à trouver des zones, enfin, trouver des zones où il y a du poisson, on en trouve, il y en a partout, mais on n'arrive pas à trouver une pêche qui fonctionne, que ce soit en bordure, que ce soit sur des boules, que ce soit sur des cassures, c'est une ou deux touches par-ci, par-là, il n'y a rien qui se dessine, il y a des blancs partout qui sautent. Il y a des carnations, on les voit à l'écho qui suivent, mais on n'arrive pas à déclencher. Donc on continue à chercher. Mais pour l'instant, c'est pas foufou. C'est pas foufou. Allez, on continue. Bon, je ne filmais pas, j'avais pas la GoPro. Et là, je viens de faire un poisson dans l'arbre. Oui. Au chatter. Hop, comme toi, Pichoun. Tu vas repartir à l'eau. Il me fait la douche. Hop là, un cendre au chatter. Hop là, un petit chatter 12 grammes. Il y a un joli petit poisson là. Yes, allez. Oh la patate qu'il a. Cool, 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 cool. Bah, je filmais pas. J'avais posé la GoPro là, le temps de faire autre chose et je fais deux lancers, deux trois lancers là et il est sorti de l'arbre. Boum. Je crois que c'était un brochet pour que ça a tapé. Un petit broc, non, non, c'était un cendre. Bon, ok, bon, on va continuer. Il y a peut-être un truc à faire comme ça. On est sur une bordure super creuse en fait. Il y a vraiment de l'eau. Il y a 4,50 m sous le bateau. Et donc les arbres en fait, ils sont vraiment hauts et il y a vraiment moyen qu'il y ait du poisson qui s'y tienne plus facilement que dans peu d'eau parce que l'eau est très claire. Donc là, on a des bordures qui tombent plus profond que la limite de visibilité. Donc on va continuer là-dessus, c'est peut-être pour ça qu'ils sont là. On va voir, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Bon, à chaque fois qu'on a cru avoir quelque chose, cru trouver quelque chose, on n'a rien refait derrière. Là, j'avais pas la GoPro, je fais deuxième lancer avec un petit leurre souple, j'ai fait un petit cendre. On va
va voir si s'il se repasse quelque chose. Hein. Cette fois j'ai la GoPro, on va essayer de filmer ça. La lumière commence à gentiment baisser. On va voir. On va voir, on va voir. En tout cas c'était coffré. Non, c'est un air bizarre. C'était coffré, donc niveau couleur, je dois pas être trop mal. On va voir. Ah si, c'était une touche. C'était une touche. Oui, 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 ils sont là. Le même que moi ? Je sais pas si j'en ai le même. Ou tiens, le ouais, ça là. Le petit ? Ouais. J'en ai un autre, tout va bien. Sur hein ? Un petit escape, t'es payé 3 huitièmes, 10 grammes ou 14, je sais plus. Une touche là-bas que j'avais eu, c'était pas un herbier. Je le sentais derrière le con. Je savais qu'il était derrière, t'es, je sentais mon pad. Oh putain, mais c'est coffré. Regarde ça. Regarde la taille du truc et regarde comment il est coffré. Ça, c'est, je pense que j'ai le bon coloris. Waouh. Il me l'a bouffé le bipit. Je le sentais derrière, nager derrière là. J'ai failli te dire, allez bouffe-le. Tu sens, on sent le paddle qui s'arrête de vibrer à des moments. Parce qu'il se frotte dessus. Ah ouais, là je pense qu'il y a un truc à faire là. On va peut-être rigoler un peu là. Bon voilà, fin de cette journée. C'était pas facile facile. Très difficile. Très ouais. Difficile, comme vous l'avez vu, bah, il y a quand même une vidéo. Malgré tout, à chaque fois qu'on a cru trouver quelque chose, trouver un pattern, trouver une part de solution. C'était pas ça. Bah, c'était pas ça. Ou sinon on est passé complètement à côté, mais une touche ou un poisson. On essaie de refaire la même chose, de repêcher dans les mêmes conditions, aux mêmes endroits, des endroits qui ressemblent. Et puis il se passe pas grand chose, donc on est passé à côté. Il y avait peut-être quelque chose à faire, mais on l'a pas trop trouvé. Peut-être pêcher dans les herbiers. Plus dans les herbiers, ouais. Les cendres plus dans les herbiers avec des leurres en texan. On l'a pas trop fait. On a pas fait. À la fin, on a pris quelques touches comme ça. Ouais, on a pris quelques touches au-dessus des herbiers de cendres. Et même les trois petites touches que je prends de cendres, c'était vraiment très proche des herbiers. Donc je pense qu'ils étaient vraiment là-dedans. Avec la chaleur en même temps, c'est normal, ils se mettent à l'ombre. Bon voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.